Du coup, on va donner la parole à notre grand témoin, Serge Zaka, qui est chercheur et docteur en agroclimatologie, qui travaille chez ITK et qui est également chasseur d'orage et qui a dû passer une bonne nuit à chasser l'orage qui a éclaté sur Paris la nuit dernière. Je vous passe la télécommande, ça sera plus facile. Alors, je vais essayer de rester réveillé parce que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Pour ceux qui ont dormi à Paris, ils t'ont réveillé par l'orage à 4h du matin. J'ai fait une belle photo à la place de l'étoile, vous pourrez la voir sur Twitter, je l'ai diffusée. Alors, merci à Gridé, merci à Grenoff pour votre invitation. Un peu plus près du micro, juste. Ouais. Merci à Gridé, merci à Grenoff pour votre invitation. Merci pour toutes les actions que vous faites, des actions très précieuses pour le milieu agricole. Moi, mon but là, c'est d'introduire un peu le sujet. J'ai l'habitude de faire des présentations scientifiques, mais je vais donner quelques idées là, des pistes de réflexion. Et bien sûr, on reviendra dessus aux tables rondes et après les tables rondes. Toutes les photos, c'est des photos que j'ai faites moi, je ne les ai pas trouvées sur Google, ne me dites pas ça, j'ai risqué ma vie pour les faire, hein, pour faire des belles diapos. Donc, je donne juste une définition, parce qu'on va parler d'agrométéorologie aujourd'hui, et je trouve que c'est très important de donner la définition. C'est vraiment l'impact du climat sur l'agriculture, les risques de dégâts dans les 7 jours à venir, par exemple, à cause d'un gel, ou de l'agriculture sur le climat. L'agroclimatologie, c'est la même chose, mais à long terme, l'impact du changement climatique sur les risques de gel sur l'agriculture et l'impact de l'agriculture sur le climat. Voilà. Donc, les atténuations au changement climatique, le stockage du carbone ou la réduction des gaz à effet de serre. Et on a un manque cruel de compétences en France en agroclimatologie. Si quelqu'un veut devenir agroclimatologue dans la salle à la suite de cette présentation, qu'il n'hésite pas à venir me voir. Et voilà, j'aimerais bien qu'on ait conscience en fait du manque de communication entre les météorologues et les agronomes. Et c'est vraiment un travail très important dans les prochaines années. Je vais vous parler de la sécheresse et du gel. Bon, il y a plein d'autres effets du changement climatique sur l'agriculture. La sécheresse, parce que c'est d'actualité, le gel aussi. C'est ce qu'il y a eu en avril 2021 et en avril 2022. Ce qu'on observe en France, c'est qu'il pleut plus dans le nord de la France à l'échelle de l'année. Donc il y a plus de précipitations. Il pleut plus en France, je ne me trompe pas. Dans le sud de la France, c'est l'inverse, un peu moins de précipitations. Par contre, ce qu'on observe, c'est que les surfaces en sécheresse en France, les surfaces agricoles, elles augmentent, malgré le fait qu'il pleuve plus sur l'ensemble de l'année. Il y a plus de sécheresse en France, et c'est d'actualité, on en parle dans les médias aujourd'hui. 1959 à 2020, on a plus 7% des surfaces en sécheresse agricoles en France qui sont concernées. C'est plusieurs centaines de milliers d'hectares, hein. 7%, c'est pas énorme. Mais d'ici 2050, bien sûr, c'est une tendance de fond, on pourrait atteindre les 20%. En parlant de 2050, on va parler des projections. Alors, pourquoi on est plus en sécheresse au niveau de l'agriculture alors qu'il pleut plus? C'est simplement que la pluie n'est pas répartie de la même façon au niveau de l'année. Voici la figure de 2070 à 2100 en hiver des précipitations. Et la même chose pour l'été. En hiver, on va vers le bleu, c'est-à-dire qu'il y a plus de pluie qui tombe. Mais le seul problème, c'est qu'en hiver, il n'y a pas forcément de surface agricole utilisée. Donc c'est de la pluie qui n'est pas efficace pour l'agriculture. En été, il y a moins de précipitations. Or, c'est la saison culturelle pour la majorité des cultures. Et donc l'agriculture est impactée par cette sécheresse. Si on additionne les deux cartes, et plus largement sur le reste, sur l'ensemble de l'année, ben, il n'y a pas d'évolution des précipitations. L'agriculture est plus impactée parce qu'on a une évolution de la saisonnalité. J'ai pris un exemple, le blé. Bon, il y a énormément d'exemples que je pourrais donner, ce n'est pas le but maintenant. Voici les rendements de blé depuis 1815 en France. Ce sont les données officielles de l'État. Vous avez avec le chiffre 1, la révolution verte, l'industrialisation, la mécanisation, les engrais, la chimie, la génétique, tout ça qui a fait que les rendements ont augmenté après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et depuis les années 2000, on observe une stabilisation des rendements de blé, alors que pourtant, on a le numérique maintenant qui arrive, on a les drones, on a les satellites, on peut se dire, la génétique qui continue, hein, on peut se dire pourquoi la courbe ne monte pas. Bah, les chercheurs, en fait, ils ont travaillé dessus, ils ont montré qu'il y a une compensation des effets négatifs du changement climatique, cela vient compenser en fait, le progrès. Donc en fait, le progrès que l'on fait en génétique ou en chimie ne va pas nous aider en fait, à contrer l'ensemble des effets du changement climatique. Il y a la source qui sera, je ne sais pas si on aura la diapo, mais la source est indiquée ici pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Maintenant, on va parler des gelées tardives. C'est énormément d'actualité puisqu'on a eu plusieurs milliards d'euros de dégâts ces deux dernières années. Vous avez un graphique ici des températures en France
sur les 3 ou 4 premiers mois de l'année. Donc on remarque qu'il y a une petite zone en bleu, c'est quand on est en dessous des moyennes saisonnières, et beaucoup de zones en rouge, c'est quand on est au-dessus. Les zones en bleu qu'on a en hiver, ce sont des zones de gel où on satisfait les besoins en froid des plantes, c'est-à-dire que la plante, bah, elle a besoin de froid pour pouvoir bourgeonner, débourrer au printemps. Puis ensuite, on enchaîne les périodes de douceur au printemps et le bourgeon, bah, il éclot beaucoup plus tôt que d'habitude. Et on a des épisodes de gel tardifs, comme là la figure de 2022, où bah, on a des dégâts sur l'agriculture. Alors, le problème, ce n'est pas le gel, le problème, c'est vraiment la douceur qu'on a en hiver. C'est encore des impacts du changement climatique que l'on va voir tout de suite. Donc, voici l'évolution du nombre de jours de gel en France entre la référence actuelle et 2100. Donc, on a une réduction significative du nombre de jours de gel, alors que pourtant, on a une augmentation des dégâts de ces gels au niveau de l'agriculture. Puisque, j'avance un peu vite, les températures hivernales sont beaucoup plus douces, donc la référence ici de cumul de température en hiver et dans le climat futur, il fait plus doux en hiver, les végétaux sont plus précoces et sont plus soumis au gel au printemps. C'est la figure récapitulative. On voit que le chevauchement entre les dernières périodes de gelée et les périodes de débourrement sont plus importants avec le changement climatique. Ce sont des données qui ont été montrées par le World Weather Attribution le 15 juin 2021 à la suite du gel d'avril 2021 en France. Alors maintenant, je voudrais donner quelques pistes, quelques réflexions qu'on pourrait mettre en place au niveau de l'agriculture et du changement climatique. Et bien sûr, on va les aborder aux tables rondes. Le gaspillage alimentaire. À peu près 25 à 30% de la production alimentaire est perdue dans la chaîne de transformation ou dans la production, ce qui est énorme en fait, parce que c'est du carbone en fait c'est du carbone en fait qui ne sert à rien, qui ne va nourrir personne. C'est à peu près 8 à 10% des gaz à effet de serre pour l'agriculture, ce qui est très conséquent, c'est déjà un levier très important. Là, il y a beaucoup d'éducation à faire au niveau de la population, mais également au niveau de la chaîne de valorisation et de revalorisation des produits. Une diapositive qui est un peu polémique, mais je l'aborde avec beaucoup de sincérité, puisque les chiffres sont éloquents pour la viande rouge. Nous mangeons beaucoup trop de viande rouge, et cela a des impacts très importants sur les gaz à effet de serre, malgré le fait que, bien sûr, les prairies ou les haies qu'on peut retrouver autour des prairies stockent du carbone. Mais quand on fait le bilan, au final, on est quand même largement positif. La viande rouge contribue énormément, je crois que c'est 50% de la production agricole française, 50% c'est uniquement la production de viande. Alors le but n'est pas de devenir végétarien, parce que grâce aux animaux, on peut fertiliser les champs, ça peut notamment faire vivre l'agriculture biologique, mais le but c'est vraiment de consommer français, parce que les Français ont une façon de produire qui est largement meilleure que la moyenne mondiale. Donc moi, mes conseils, c'est vraiment de manger mieux et local. Et quand on garde le même budget par semaine de viande, et vu qu'on l'achète local et mieux, et bien elle coûte un peu plus cher, mais du coup on en mange moins vu qu'elle coûte plus cher. Encore deux dernières diapositives et je passerai la main. L'irrigation de résilience, c'est un terme qui a été introduit par l'État. C'est une irrigation qui est intelligente, une irrigation qui est basée essentiellement sur des stockages, des excès hivernaux. Bien sûr, attention, ces excès hivernaux, il ne faut pas les pomper dans les nappes phréatiques n'importe quand. L'idée, c'est vraiment de faire des retenues ou des façons de retenir l'eau avec de l'eau de surface qui est en excès lors des épisodes orageux, par exemple, ou lors des inondations. On peut récupérer cette eau pour l'été. Et il y a encore beaucoup de progrès à faire sur la façon de stocker l'eau pour éviter les pertes, notamment par évaporation. Donc cette irrigation intelligente est couplée à de l'outil d'aide à la décision, donc du numérique, sur également la préservation des sols, parce que si on a une ressource en eau qui est bonne, parce qu'on fait du stock, bah, il faut aussi compenser par une amélioration de la préservation des sols pour augmenter la réserve en eau des sols. Ça, c'est l'agriculture de conservation des sols. Il faut faire du donnant-donnant. Ce n'est pas parce qu'on fait des réserves en eau qu'on peut produire de la même façon qu'on produit maintenant. Ce sera plus valable avec le changement climatique. Et dernier point, c'est ce que je parlais, les sols, un élément très important dans un contexte de changement climatique. Avec, bien sûr, les 5 points qui parlent de l'agriculture de conservation des sols. Ce sont des éléments scientifiques, souvent qu'on dit, voilà, il faut aller vers là, mais bien sûr, sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué et ça peut notamment impacter la rentabilité. Donc, c'est des éléments à affiner en fonction des sols et des microclimats.
Voilà, quatre éléments de réflexion. On y reviendra dessus, j'imagine, pendant les débats. Et je passe la main au suivant. Parfait, je vais reprendre. Merci.